آج کچھ یہاں دائرے کی شکل بدلی ہے آپ نے امام صاحب، یہ آپ کی کارستانی ہے یا کوئی اور؟ اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 190 آیت سے ہے یا اس سے پہلے جاری تھی؟ اچھا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير آل عمران آيات 190. C'était le verset 190 de la sourate Al Imran. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Et la moitié du temps de cette session sera consacrée à des questions et à des réponses. Il y a des questions qui requièrent de longues réponses. Des questions qui concernent des sujets que j'ai évoqués dans les classes précédentes. En raison de ces questions, je constate que certaines personnes sont victimes de certains malentendus. Ainsi, il faudra mettre fin à ces méprises. Afin que je puisse expliquer ce que je veux dire et ce que vous êtes en train de comprendre, afin que je vous explique le but de ces recherches et pourquoi ces recherches sont importantes. Il est important de présenter tout cela. Ainsi, j'ai cité ce verset afin de profiter de ces bénédictions. Je vais en parler brièvement. Ensuite, je vais me tourner vers ces questions qui ont été soulevées. Il y a aussi quelques points, par exemple, concernant le Japon. Je dois évoquer le Japon, car ces gens pensent que nous les avons oubliés, alors que nous ne les avons pas oubliés. Il y a le verset « Walillahi mulku samawati wal ard » verset 190 de la sourate Al Imran. Que signifie « mulk » ? Il y a la traduction présentée par Akrabul Mawarid. L'explication de ce verset est que « mulk » signifie « toute propriété ». « Mulk » peut être au masculin comme au féminin. Mudhakkir ou Muannith. Est-ce cela la prononciation dans la langue arabe? Est-ce qu'on dit Mudhakkir ou Muannith? Dans la langue ourdou, on dit Muzakkar et Muannath. Dans la langue ourdou, on n'utilise pas les mêmes prononciations qu'on utilise dans la langue arabe. Il y a beaucoup de changements dans la langue ourdou. Il y a de ces changements qui sont perpétuels et qui sont en train de s'ancrer. Il y a par exemple le nom Hirkal. On avait posé cette question, à savoir que j'ai prononcé Eriaklus dans la langue ourdou comme Hirkal, alors qu'en arabe, on prononce cela comme Hirakal. Mais cette prononciation ne peut être acceptée dans la langue ourdou. Et puisque cette session est en langue ourdou, on va prononcer cela « Hirkal ». C'est ainsi que l'on prononce le nom de ce grand souverain. Il y a donc ces changements concernant les prononciations et même des hommes de lettres qui insistent sur la qualité de la langue. Change ses prononciations et s'écarte de la langue arabe et insiste sur leur prononciation. Il y a Hafiz Mukhtar Ahmad Saheb. Il prononçait toujours Mublir. Un jour, j'ai eu une longue conversation avec lui. Je lui ai dit que je sais que vous êtes un grand érudit et vous savez que le mot est Mablar. On ne prononce pas Moblir. Il a déclaré, moi je vais prononcer ce mot Moblir comme je l'ai entendu de mes aïeux. Et il prononçait cela comme Moblir. Ainsi, ceux qui essayent de changer ses prononciations, je leur dis que
de ne pas accorder grande importance à ces petites choses. La langue est un changement perpétuel, comme une rivière qui change de direction et qui charrie de la terre et qui en jette. Mais dans un domaine particulier, on doit certainement apporter des corrections. Des fois, en parlant rapidement, on ne prononce pas certains versets du Saint-Coran ou certains mots de certains versets du Saint-Coran. Dans ce cas, il n'y a pas de concession. C'est pour cette raison que si on a commis de telles erreurs, je sais que le mot se prononce ainsi. Certaines personnes me disent que vous aviez bien prononcé ce mot ailleurs, mais après vous l'avez mal prononcé. Ainsi, en ayant bien prononcé ce mot auparavant, des fois par la suite, je commets une erreur. Des fois, la personne qui entend entend mal elle aussi. Et des fois, lorsque j'ai la gorge sèche, je désire dire quelque chose que j'ai à l'esprit, mais je n'arrive pas à le faire. Mais ce n'est pas là une excuse. En tout cas, nous ne devons pas laisser passer une seule erreur concernant la prononciation de certains mots du Saint-Coran. C'est-à-dire, l'on ne doit pas négliger cela en disant que cela ne fait pas de différence et que les gens savent ce que l'on a dit. Certainement, on doit m'informer immédiatement. Mais les oulémas qui sont présents ici doivent le faire immédiatement afin que les gens ne commencent pas à envoyer des fax à ce sujet et que l'on fasse la correction ici. Ainsi, on parlait à propos du mot « mulk ». Mulk signifie propriété et Imlak est dérivé de Mulk. On dit que le terme Mulk a le sens de la souveraineté et dans le terme Milk, il y a le sens de la possession. À ce sujet, le dictionnaire Lane présente ses explications, à savoir la souveraineté, le pouvoir, le règne. J'ai cité la première référence de Akrabul Mawarid. C'est-à-dire que le mot peut être utilisé au masculin et au féminin. Veuillez vérifier les dictionnaires ourdou par précaution. Dans le Saint-Coran, là où on a utilisé le mot « mulk », là-bas on trouve ces deux sens. Je n'ai pas de doute à ce sujet. J'ai étudié cela et j'ai utilisé l'usage du Saint-Coran. Et là-bas, « mulk » signifie la propriété et « mulk » signifie aussi la souveraineté. Et cela concerne l'attribut Malikiya de Dieu. Dans la Malikiya, il y a certes plus ce sens de milk ou de possession, c'est-à-dire que quelqu'un est le maître. Mais en ce qui concerne le maître parfait, eh bien, il est le souverain parfait. En ce qui concerne les hommes, on fait la distinction entre la souveraineté et la possession parce que, certes, nous sommes propriétaires de nos biens. Mais en ce qui concerne les droits, c'est l'État qui est propriétaire, c'est l'État qui est souverain. Et puisqu'il y a toujours cette distinction, c'est pour cette raison que nous ne sommes pas propriétaires à part entière de nos biens. Vous ne pouvez pas bâtir quelque chose sur votre terrain, selon votre désir. L'État s'immisce dans toutes les petites affaires, c'est-à-dire ici s'arrête votre droit de propriété et ici débute notre souveraineté. C'est pour cette raison que, en ce qui concerne les hommes, le terme « milk » et « mulk » ont deux cercles respectifs. C'est pour cette raison qu'on se demande ici si « mulk » veut dire « souveraineté » ou « propriété ». Mais auprès de Dieu, il n'y a pas de telle distinction. Il est le maître parfait. Il n'y a pas de distinction auprès de lui. Il n'y a pas cette distinction de possession matérielle et de souveraineté concernant les droits. Ainsi, quand le Saint-Coran utilise le terme « mulk », quel que soit le sens, vous devez comprendre
qu'ici, on est en train de présenter le maître parfait. Et il est aussi le maître dans le domaine de la politique. À lui appartient aussi la propriété économique. Et c'est lui aussi qui gère les autres aspects de la possession, par exemple concernant l'héritage. Ici, ce n'est pas la peine de discuter concernant ce terme mulk. Le terme mulk signifie tout auprès de Dieu. Cela concerne les termes mulk, milk et le droit de possession. L'imam Raghib, dans son ouvrage Mufradat, a présenté un verset du Saint-Coran, c'est-à-dire que mulk signifie que Dieu est le malikul haq. C'est pour cette raison qu'il est dit « Lahul mulku wa lahul hamd »« Qulillahumma malik al-mulki tu'til mulka man tashau wa tanzi'ul mulka mi man tashau » Ainsi, mulk signifie prendre quelque chose entre ses mains et avoir droit de propriété dessus. Milk est dérivé de mulk. L'imam Raghib a dit la même chose que je viens de vous présenter. Cela veut dire que lorsqu'on utilise le terme mulk pour Dieu, cela veut dire qu'il est en possession complète de quelque chose. Tout se trouve entre ses mains. C'est pour cette raison qu'il est le roi et il est le maître. Il suffit de dire ceci et je vais voir s'il y a des points importants concernant les commentaires. En tout cas, on a soulevé la question concernant l'ilahi et mulk. Quelle est la relation entre les deux? Un commentateur déclare que puisqu'auparavant, on a soulevé la question de Dieu, à savoir qu'il est pauvre et que les autres sont riches, à savoir qui est pauvre et qui est riche, c'est pour cette raison qu'on a présenté ces faits, à savoir que c'est à Allah qu'appartient tout. L'imam Razi a lié ce verset avec le verset précédent. Et selon lui, on a pris des mesures contre certaines personnes. Et ces personnes ne peuvent pas éviter ces châtiments. Car ce monde et l'au-delà appartiennent à Dieu. Il est le maître ici-bas et il est le maître dans l'au-delà. L'Ilahi Mulku Samawat et Wal-Ard signifie que vous ne pourrez pas éviter le châtiment de Dieu. Vous ne pourrez pas éviter cela ici-bas et vous ne pourrez pas éviter cela dans l'au-delà. Et ici, Sama signifie le monde spirituel, le monde céleste. Le monde céleste signifie le monde spirituel. Donc, il veut dire que vous ne pourrez pas éviter ce châtiment ici-bas et vous ne pourrez pas éviter cela dans l'au-delà. Mais il ne suffit pas de limiter cela au châtiment. Il est aussi question des récompenses. En résumé, cela veut dire que Lillahi mulku samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Dans ce verset, Allah a présenté ayatin li ulil albab. Il a aussi mentionné la différence entre la nuit et le jour. Dieu est en train de mentionner les choses qui concernent ce monde et le ciel. On est en train de faire une prophétie concernant la période du déclin des musulmans, c'est-à-dire que vous allez souffrir entre les mains des Ahl Kitab et des polythéistes. Mais ils ne pourront pas arrêter votre triomphe suprême.
Ce triomphe vous appartient, tel est votre décret. Certainement, vous allez remporter la victoire. Voilà le sujet qui a été évoqué ici. Il est dit, Lillahi mulku samawati wal ard, wallahu ala kulli shay'in qadir. Et après cela, on trouve le verset 191. C'est-à-dire, il y a une relation entre les sujets évoqués et le sujet mentionné auparavant. Le verset suivant, que je vais commenter demain, dans ce verset, il est dit « Lillahi mulku samawati wal ard ». Cela ne concerne pas uniquement les châtiments ici-bas et dans l'au-delà, mais on trouve mention du pouvoir de Dieu ici sur terre et le fait qu'il va toujours agir en faveur de l'islam. Et un temps viendra lorsque le maître des vrais serviteurs seront les maîtres sur terre. Et ils seront les représentants du maître. À ce sujet, je dois évoquer un point important présenté par le Messie premier, l'Islam. Il a évoqué les attributs de Dieu dans la sourate Al-Fatiha. Il dit que parmi les attributs de Dieu, Al-Malik est mentionné en dernier dans la sourate Al-Fatiha. Et cet attribut a une grande relation avec le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le saint prophète qui manifeste à la perfection cet attribut. Dans la Bible, on trouve mention de cette prophétie ou concernant la parabole du jardinier. On trouve mention du maître et cela s'est réalisé avec l'avènement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la souveraineté qui a été évoquée ici. C'est lui le représentant du maître. Et vous avez eu une victoire temporaire sur lui. Et vous êtes en train de dépasser les limites dans vos invectives. Mais n'oubliez pas que c'est Allah qui est le maître et il va montrer cela ici sur terre. Il va expliquer cela clairement, à savoir à qui appartient la souveraineté et à qui appartiendra la souveraineté en fin de compte. C'est une grande prophétie concernant la victoire finale de l'islam. Et ce sujet a été soulevé dans le verset suivant. Mais il n'est pas faux de dire que l'on trouve mention des récompenses ici-bas et dans l'au-delà. La relation a été évoquée avec la sourate Al-Fatiha. Et il y a des prophéties dans les évangiles à propos du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une période que l'on va voir à l'avenir et cette période a débuté à notre époque devant nos yeux. Cela a débuté avec le Messie premier alayhi salam et à l'époque du Muslim Maud, on voyait le début de cette période. Hadrat Muslim Maud a déclaré que c'est l'heure des batailles en faveur de l'islam. Moi, j'ai lancé ces batailles, mais c'est Allah qui sait quand viendra la victoire. Cette période préliminaire a débuté jusqu'à l'époque du Muslim Maud, du deuxième calife. Le Messie premier Islam a évoqué ce sujet dans un de ses ouvrages, et cela est en accord avec le point que je suis en train de présenter. Ainsi, n'ayez pas de malentendu à ce sujet. Ne croyez pas que tout a été accompli à l'époque du Messie premier Islam. N'ayez pas de malentendu, le Messie premier Islam a déclaré clairement que mon avènement sera inconnu pour un certain temps. Tel est le décret de Dieu. Et un temps viendra quand je serai sur ce minaret blanc, un minaret blanc que tout le monde va voir. Et les gens vont me reconnaître avec des signes clairs. Alhamdulillah, nous sommes entrés dans cette période. Cette période qui a été prophétisée, c'est une période qui a été décrétée. Inch'Allah, je vais parler à ce sujet demain. Et maintenant, je vais répondre à quelques questions qui ont été posées. Tout d'abord, il y a un chikwa de Pakistan.
Tout d'abord, il y a une doléance que j'ai reçue du Pakistan. Hier, j'ai évoqué une plaisanterie, ou avant-hier peut-être. Un ami a présenté ses doléances à ce sujet. Je disais donc que dans notre pays, il y a cette habitude infâme que l'on fait de certains peuples le symbole de certains maux, ou l'on fait de certains peuples le symbole de certaines actions. Cette habitude se trouve surtout dans la société agricole du Pendjab. Ce mal existe là-bas, à savoir qu'on attribue chaque sottise à des djullahs, à un peuple particulier. Et lorsqu'il y a quelque chose qui a trait à la religion, on attribue cela à des sikhs. Ce sont des sottises qui ont été condamnées par l'islam. Mais puisqu'on attribue cette plaisanterie à un djullaha, et tout le monde sait à qui s'applique cette plaisanterie, si j'avais enlevé ce mot là-bas, je n'aurais rien pu faire. Au contraire, j'ai présenté cette plaisanterie, mais ensuite, j'ai présenté mon point de vue personnel en me basant sur le Saint-Coran. Dans ces pays où l'on est en train d'humilier certains groupes ethniques, des groupes ethniques qui font progresser le pays, eh bien ces mêmes pays vont tomber en décadence en fin de compte. Ainsi, on doit comprendre ce secret et mettre fin à ces différences entre groupes ethniques et entre peuples. Au lieu d'accepter ce message, quelqu'un qui appartient à ce peuple et dont le cœur est meurtri a écrit en disant que les propriétaires terriens, les agriculteurs autour de moi sont en train de se moquer davantage de moi. Matin et soir, ils me tourmentent et se moquent de moi en disant « Voilà, le calife a fait cette plaisanterie et s'est moqué de vous. » C'est là un crime, c'est-à-dire de placer vos crimes sur mes épaules. J'ai dit ouvertement que cela va à l'encontre des versets du Saint-Coran. Maintenant, je vais vous présenter certains faits. Nous disons être les descendants des Moghols, mais le Messie promet l'Islam a déclaré que nous sommes des descendants des Persans. Certainement, les Moghols ont occupé l'Iran pour une certaine période. Et ces deux points de vue peuvent être justes. Mais le Messie premier l'Islam a déclaré que, en fait, nous avons commis une erreur. Nous sommes des descendants des Persans, ont porté le titre Beg. Moi, je croyais que les Mongols étaient une caste de gens nobles. Certains d'entre nous se sont mariés avec des Pashtuns. Certains d'entre nous se sont mariés avec des Sayyids. Ma mère était Sayyid. La mère de Hadrat Muslim Aoud était Sayyid. Ma sœur s'est mariée avec des Chaudhry. Afin de consoler cette personne, je lui dis que j'ai vu que parmi ces personnes que l'on considère comme nobles, il y a des personnes indignes. Même parmi ces personnes que l'on dit nobles, il y a certains qui sont des ignobles. Ce sont des personnes qui sont des exemples de l'indignité dans leur société. Parmi les Moghols, on trouve des sots. Parmi les Sayyids aussi, on trouve des sots. Et parmi les autres peuples aussi, on en trouve. Lorsque ces personnes sont coupables de ces sottises, on attribue cela à leur personne, en disant que cette personne est sotte. Maintenant, si par hasard, un djullaha ou une personne appartenant à notre peuple commet une même sottise, on va dire que c'est le peuple tout entier qui est indigne. Ce sont là des infamies. Et si l'on trouve cela parmi les Ahmadis, ce sera là un très grand péché. Car le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans son sermon d'adieu, a foulé des pieds de tels propos et de telles infamies. Si le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a rejeté ces faits, et si on laisse cela grandir dans nos cœurs, eh bien ce sera un cœur ignoble. Ce ne seront pas ces autres peuples qui seront ignobles, mais ce sera ce cœur qui est ignoble, ce cœur qui nourrit ces concepts qui ont été rejetés par le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, je présente mes excuses et je dis que je voulais dissiper de tels concepts. Mais puisque cette blague est très connue, c'est pour cette raison que je ne pourrais pas cacher ce nom
C'était pour cette raison que j'ai mentionné le nom de ce peuple pour ensuite condamner de telles pratiques. Et parmi ces castes que l'on considère comme inférieures, j'ai vu des personnes de grande noblesse, des personnes qui possèdent de grandes qualités, des personnes muttaqi, des gens qui craignent Dieu, des gens cultivés et éclairés. On voit cela partout. Cela a trait à ce verset que je vais commenter après. Mais puisque j'ai reçu cette doléance, c'est pour cette raison que j'ai voulu dissiper cela. Demain, Inch'Allah, je vais soulever cette question si le besoin se fait sentir. Ce sujet a trait à ce verset et Inch'Allah, je vais parler à ce sujet demain. On a reçu des nouvelles de Tokyo. Par la grâce de Dieu, tout se passe très bien là-bas. Et le peuple japonais a loué ce travail accompli par nos bénévoles. C'est un peuple très aimable. Et ils ne se contentent pas de nous remercier, mais ils le font aussi dans la pratique et nous aident aussi. C'est là une qualité du peuple japonais. C'est un peuple qui possède de grandes qualités, mais leur culture et leur amabilité est superficielle et n'est pas enracinée en la personne de Dieu. Nous devons faire en sorte que ces qualités soient permanentes. Et pour cela, nous devons attirer leur attention vers Dieu. Car on ne voit pas de relation personnelle entre leur personne et Dieu. Ils disent avoir des relations avec des esprits ou avec leur roi. Ils attribuent des qualités divines à leur roi. Mais ils n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. Certainement, expliquer cela à ces personnes en disant que nous sommes des gens ordinaires. Au contraire, comparé à votre peuple, nous sommes des centaines d'années en arrière. Mais quelqu'un a pris cette même terre et cette personne a transformé cette terre en or. Ainsi, de l'argile, on a fait sortir de l'or. Et les qualités que vous êtes en train de témoigner en vous sont basées sur les enseignements du Saint-Coran et les enseignements du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est en raison de leur bénédiction spirituelle que vous voyez en nous ces grands changements spirituels. Je ne veux pas prêcher ce message à tout le monde, mais vous devez faire comprendre cela. Et si vous voyez que quelqu'un est prêt à accepter ce message, eh bien, avec amour, vous devez présenter ce message. Dans le rapport que l'on a reçu, il est dit que la chaîne de télé TBS a fait des interviews avec certains de nos bénévoles qui étaient présents dans notre camp. Il y avait un député, M. Satisuki, qui est venu nous visiter là-bas. Ce député était très content, sa femme l'avait accompagné. Il y a une compagnie japonaise, un certain monsieur Willa. En tout cas, cette personne a offert à nos bénévoles un téléphone portable. Grâce à ce téléphone, ils pourront faire des appels à l'intérieur du Japon et à l'extérieur du Japon, et cela gratuitement. Ensuite, la compagnie Shell a offert gratuitement du carburant à nos bénévoles. Tout véhicule des bénévoles Ahmadi pourront se présenter et prendre du carburant gratuitement. Voilà donc leur reconnaissance. Au Pakistan, lorsqu'on rend des services humanitaires, les mollahs viennent là-bas en disant qu'il est interdit de prendre des services de ces Ahmadis. Les Ahmadis sont tabassés et ces médecins qui ont quitté leur travail pour servir l'humanité, on leur intente des procès qui peuvent conduire à la mort. En disant que lui qui était en train d'aider les malades du Pakistan, il a porté atteinte à l'honneur du Saint-Prophète.
C'est-à-dire que cela n'est pas en accord avec ce que faisait le saint prophète. Le comportement de ces mollahs n'est certainement pas en accord avec la nature du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, nous avons tout appris du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui brille partout. Mais on intente des procès contre ces médecins ahmadis en disant qu'ils doivent être condamnés à mort parce qu'ils ont outragé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le crime est que ces médecins sont partis voir ces malades pour s'occuper d'eux gratuitement. Est-ce cela l'islam? Disent les mollahs. Mais voyez ce qui se passe au Japon. Là-bas, on voit la manifestation de cette nature noble et pure. C'est quelque chose d'extraordinaire. Cette compagnie a donné des directives que l'on doit offrir gratuitement de l'essence aux Ahmadis. Et voyez à quel point ils ont confiance dans les Ahmadis. Ils savent que nos bénévoles ne vont pas profiter indûment de cela. Si c'était les autres, eh bien les distributeurs seraient devenus fous. Ils viendraient prendre gratuitement du pétrole pour en vendre à bas prix par la suite. Les bénévoles venus de l'Allemagne et de la Hollande sont si impressionnés qu'ils sont venus dans notre camp et viennent nous aider en disant que l'on n'a pas le même plaisir ailleurs. Ainsi, par la grâce de Dieu, nos bénévoles sont de bons exemples pour les autres. Parmi les bénévoles japonais, il y a un certain Miyoshi qui est en train de travailler d'arrache-pied. Et il est maintenant le deuxième responsable de notre camp. Et son amour est en train de grandir davantage. Ensuite, il y a le professeur Shuyama. Natsuyama, je pense. Tous les jours, il vient nous aider et elle dit que son épouse aussi vient et se présente afin de servir dans la cuisine. Maintenant, on va se tourner vers les questions. Maintenant, je vais vous présenter une lettre et vous allez comprendre que les gens n'ont pas compris ce que j'ai présenté. Les preuves que l'on présente sont farfelues. Je suis en train de recevoir des questions que je n'attendais pas de certaines personnes. Il y a quelqu'un qui est en Afrique et qui était en train de servir en tant que médecin. C'est un médecin qui est toujours en contact avec les chrétiens parce qu'il fait le tablir. C'est pour cette raison qu'il a étudié la Bible. Ils ont publié de petits dépliants. Mais voyez ce qu'ils ont compris de mes dars. Ce médecin écrit que on a compris grâce à vos dars que on a compris qu'aucun prophète ne peut être tué. Quand est-ce que j'ai dit cela? Moi-même, je n'ai pas dit cela, le Messie premier l'Islam n'a pas dit cela. Même ces faits qui n'ont pas été évoqués dans les fictions l'ont déplu. Mais ici, on ne trouve même pas cela dans l'histoire du monde. J'ai déjà présenté les écrits du Messie premier l'Islam. Il a déclaré qu'il n'est pas impossible qu'un prophète soit tué. Mais on n'a pas de preuve certaine qu'un prophète a été tué. Jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu d'informations à ce sujet. En dépit de cette explication, cette personne a présenté ses références. On commet de telles fautes des fois. Je peux commettre des fautes en présentant certains faits. Mais la chose qui me fait souffrir le plus est qu'il a tiré certaines conclusions. Il déclare que Jésus-Christ était juif lui-même, il a été envoyé aux juifs, et certainement personne d'autre que lui ne connaissait le mieux l'histoire des prophètes envoyés aux juifs.
Il y a certains sous-entendus dans sa déclaration. Selon lui, Jésus-Christ avait condamné sévèrement son peuple d'avoir tué les prophètes. Voilà donc la conclusion qu'il est en train de tirer ici. Il y a des choses déplaisantes qu'il a présentées. Tout d'abord, qui dit que la Bible est le livre de Jésus-Christ? Il a cité des évangiles. Et les évangiles ont été révélés à Hadrat Isa. Et il a tiré la conclusion que personne d'autre ne pouvait connaître l'histoire des Juifs. C'est pour cette raison que tout ce qu'il a dit dans la Bible doit être accepté. Ce n'est pas un argument acceptable. Les orientalistes utilisent le même argument contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en disant que certainement il savait cela. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, entendait ces paroles de la part de Dieu et il présentait ses faits tels quels. Et tout prophète qui a reçu un livre, qu'il soit un prophète législateur ou pas, ce prophète dit quelque chose qu'il a entendu de la part de Dieu. Ainsi, croire que Hadrat Isa alayhi salam était un juif et c'est pour cette raison qu'il était témoin de l'histoire des juifs, et que ce qu'il a écrit est la dernière parole, et que certainement il y a eu des prophètes qui ont été tués, eh bien cette conclusion est injuste et erronée. Lorsqu'on va se tourner vers la parole de Dieu, avant de prendre les évangiles, on doit tout d'abord se tourner vers ce que nous dit le Saint-Coran. Le Saint-Coran a répété à plusieurs reprises que vous aviez l'habitude de tuer les prophètes. Alors pourquoi donc se tourner vers les évangiles? Et le deuxième point fâcheux est que le Saint-Coran n'a aucune importance et que si Isa alayhi salam n'a pas dit quelque chose, eh bien, il y aurait eu des doutes concernant ces faits historiques et les déclarations du Saint-Coran n'auraient aucune importance. Nous sommes en train de citer le Saint-Coran, à savoir que dans le Saint-Coran, on trouve mention du fait que l'on a tué des prophètes. Personne n'a rejeté le fait que dans le Saint-Coran, on a dit que l'on a tué des prophètes. Et il serait faux de m'attribuer ces paroles, à savoir que tuer des prophètes doit être pris au sens métaphorique et qu'ici, il n'est pas question du fait qu'on les a tués physiquement. Voilà ce qu'on m'attribue. Mais le monde entier est témoin du fait que je n'ai pas dit cela et je n'ai pas de tel concept. Le Messie premier a tiré cette conclusion d'un verset du Saint-Coran qui concerne l'honneur des prophètes. Il y a par exemple ce verset qui concerne l'honneur des prophètes. Wala taqawwala alayna ba'd al-aqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu adizin. C'est un verset très connu. Et on tire cette conclusion que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'il avait attribué une fausse parole à Dieu, eh bien, certainement, il serait tué. Puisqu'il n'a pas été tué, cela prouve qu'il est un vrai prophète. À la lumière de cela et d'un autre verset du Saint-Coran, dans lequel Allah déclare « Wa ma Muhammadun illa rasul kad khalat min kablihi rasul » Afa imata au kutila in kalabtum ala akabikum, à savoir qu'il est un prophète de Dieu. Il est un prophète et il a atteint l'apogée du statut de prophète. Afa imata au kutila, s'il meurt ou qu'il soit tué, est-ce que vous allez retourner sur vos pas? Est-ce que vous serez des renégats? Est-ce que vous allez retourner sur vos pas? Dans ces deux versets, apparemment, il y a une différence. Le Messie promis, alayhi salam, a présenté une explication sublime à ce sujet et il a mis fin à cette contradiction. Son point de vue est que, à la lumière de ce dernier verset que j'ai cité, il n'est pas impossible qu'un prophète soit tué.
Car ici, on ne trouve pas des sens spirituels à la mort. Il est dit « afa imata au kotila ». Certainement, on est en train de parler de la mort physique et du meurtre physique. C'est pour cette raison que le Messie premier al-Salam a déclaré que selon moi, il n'est pas impossible à la lumière du Saint-Coran que certains prophètes soient tués. On ne peut pas rejeter ce fait. Mais après avoir dit cela dans une autre déclaration et dans une référence que j'ai citée auparavant, il a déclaré aussi qu'on n'a pas de preuve certaine qu'un prophète a été tué. Il n'y a pas de contradiction avec ces déductions qu'il a tirées. Ensuite, cette personne a développé son argument en disant que le Messie premier des salams a déclaré qu'on n'a pas de certitude qu'un prophète a été tué. Il a dit que les conclusions que vous êtes en train de tirer, vous, ne sont pas justes, car l'inexistence d'une connaissance ne signifie pas que cette chose n'existe pas. C'est quelque chose qu'on nous a enseigné au cours de la première année à la Jamia. C'est une loi internationale, à savoir que ne pas connaître quelque chose ne signifie pas que cette chose n'existe pas. Il déclare que puisqu'on n'a pas cette connaissance, c'est pour cette raison que certainement Hadrat Zakaria a été tué. Cette personne a utilisé dans le sens contraire cette phrase qui a été présentée auparavant. L'absence de connaissance ne signifie pas que cet objet n'existe pas. Il est erroné de dire que puisqu'on n'a pas cette connaissance, cela veut dire que cet objet ou cette chose n'existe pas. Mais si l'on dit et que l'on insiste qu'on n'a pas de preuve qu'un prophète quelconque a été tué, mais qu'ensuite on insiste que cela prouve qu'un prophète a été tué, est-ce pas cela une contradiction? On est en train de présenter des faits illogiques. Et j'ai reçu d'autres lettres à ce sujet. J'ai reçu d'autres lettres qui ont cité les ouvrages du Messie premier al-Islam, et ce sont des références que j'ai demandées à Maulvi Dost Mohammed Saheb. J'ai étudié tout cela avant le dars, j'ai médité à ce sujet et je vous ai présenté cette conclusion présentée dans les écrits du Messie premier al-Islam. J'étais contraint de vous présenter cela. Certaines personnes aiment à chercher des contradictions entre un calife et le calife précédent, de chercher des contradictions entre le calife et le prophète de l'époque, de chercher des contradictions entre les prophètes et de chercher des contradictions entre ce que dit le prophète et Allah. C'est un sujet très important et vous devez me faire des rappels à ce sujet. À la fin, je vais dire quelque chose à ce sujet afin de protéger la Jamaat de ses maladies internes et afin de les avertir à ce sujet. J'ai médité sur la nature humaine et j'ai étudié ce sujet qui est très important. Et il est important d'expliquer cela. Regardez ce qu'ont fait les pères Ramis, ceux qui se sont écartés du califat au sein de la communauté Ahmadiyya. Ils ont passé toute leur vie à chercher les contradictions entre le Messie promis et le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya. Si certains ulémas vont adopter cette voie, eh bien il n'y aura pas grande différence entre eux et ceux qui se sont écartés de la communauté Ahmadiyya. Et certainement, un jour, ils vont critiquer le Saint-Coran. C'est pour cette raison qu'il est important d'expliquer cela. Je ne suis pas en train de le faire par colère, mais puisque je suis en train de voir les germes de cette maladie, pas dans toutes ces questions, mais dans certaines. Il y a un nombre de ces questions que l'on présente et qui sont imbues de taqwa. On récite Subhanallah en présentant ces questions. On présente ces questions parce qu'on a des appréhensions. Et ces questions présentent les attributs des questions posées par le prophète Abraham. Ainsi, il y a deux types d'appréhension dans certains cœurs. Il y a tout d'abord l'exemple du prophète Abraham qui a reçu une réponse. Allah lui a demandé.
Je vais vous présenter ce verset, mais le sujet est qu'Allah lui a demandé que tu m'as demandé comment est-ce que je fais revivre des morts. Est-ce que tu ne crois pas? Le prophète Abraham a déclaré, certainement je crois, je suis un croyant. Walakin liyatma'inna qalbi. Je veux tout simplement avoir cette tranquillité au cœur. Cela veut dire que, même en étant croyant, on peut poser certaines questions pour avoir le cœur tranquille. Voilà la voie adoptée par les pieux et par les prophètes. Lorsqu'ils posaient une question, eh bien, ils posaient cette question pour que leur cœur soit tranquille. Mais comparé à cela, dans l'histoire de la religion, il y a aussi ces questions que l'on pose afin d'essayer de dévoiler des contradictions entre des personnes pieuses ou entre les prophètes de Dieu. Il y a eu des débats entre le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et les Ahl al-Kitab. Et ces derniers disaient au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qu'il y a des contradictions entre ce que tu es en train de dire et ce que dit la Bible. D'une part, tu dis que la Bible est véridique, d'autre part, tu es en train de rejeter la Bible. Nous ne pouvons pas accepter un prophète pareil. Et ils ont dit la même chose à propos de Jésus-Christ, à savoir qu'il y avait des contradictions dans ses paroles. À savoir, d'une part, qu'il disait que la Bible est véridique et que Élie est monté au ciel, d'autre part, il disait que Jean est Élie. Je vais reparler de nouveau à propos de ce sujet. Ainsi donc, certaines personnes m'ont envoyé des écrits tirés des ouvrages du Messie promis alayhi salam. Et entre les lignes, on est en train de me demander ce que je suis en train de faire. On me demande si je n'ai pas vu ce qu'a dit le Messie promis alayhi salam. Et on est en train de dire aussi que, en dépit de cela, je suis en train de présenter un point de vue qui est contraire à celui présenté par le Messie promis alayhi salam. Dans leur quête, de telles personnes qui écrivent ces lettres essayent de prouver des contradictions dans la personne du Messie promis alayhi salam. Ainsi, on ne peut pas prouver des contradictions entre moi et entre le Messie promis alayhi salam. Cela est impossible. Même si, d'un point de vue superficiel, on peut voir des contradictions, mais lorsqu'on étudie cela de près, je pourrais prouver que certainement il n'y a pas de contradiction. Mais en fait, on est en train de servir le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, tout comme le Messie promis alayhi salam l'a fait. Et moi aussi, je suis en train de servir le Messie promis alayhi salam, tout comme il avait servi le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et tout serviteur doit le servir. Nous sommes en train de participer dans cette bataille internationale pour l'islam. Et je suis en train d'utiliser les tactiques que le Messie promis alayhi salam nous a enseignées. Il n'est point question de contradiction. Et ces personnes ne pourront pas voir ces subtilités que j'ai vues dans les écrits du Messie promis alayhi salam et ces faveurs que j'ai tirées dans ces écrits. Ces gens ne peuvent pas imaginer les concepts que j'ai appris du Messie promis alayhi salam, ces tactiques qu'il a utilisées contre les autres. Car pour cela, il faut éprouver un grand amour. Et cela ne peut naître du molaïsme. Le molaïsme donne naissance aux préjugés. Le molaïsme a plusieurs degrés, mais lorsque le molaïsme atteint son apogée, cela se transforme en quelque chose d'abominable. Et à l'intérieur de son os, il y a différents degrés de molaïsme. Et il y a différents degrés d'amour. La jamaat doit progresser dans son amour et ne doit pas progresser dans le molaïsme. Lorsqu'on regarde par amour, eh bien, on ne va pas avoir de contradiction entre un serviteur de Dieu et un autre serviteur de Dieu. Si vous voyez pareille contradiction, vous devez faire l'istighfar, demander le pardon de Dieu et Allah va résoudre ces difficultés. Des fois, on pose de telles questions, mais on pose ces questions comme l'avait fait Hadrat Ibrahim. C'est-à-dire, « Oh Allah, montre-moi comment tu fais revivre les morts. » Et il ajoute ensuite que « J'ai posé cette question pour que j'aie le cœur tranquille. » Ces contradictions qu'on essaie de m'attribuer, si on accepte leur déduction, eh bien, le Messie promis alayhi salam est coupable d'une grande contradiction. Il dit que « J'ai déclaré que c'est possible que Hadrat Yahya n'a pas été tué. » Et qu'il est erroné de dire qu'avec certitude,
Hadrat Yahya a été tué. Le Messie promet l'Islam a présenté sa déduction et il a déclaré que il y a une relation entre moi et Hadrat Sayyid Ahmad qui m'a précédé. Le Messie promet l'Islam déclare que il y a cette relation entre Hadrat Sayyid qui m'a précédé et moi. Et on voit la même relation entre le Messie, Jésus et Hadrat Yahya. Le fait que tous deux soient tués démontre qu'il y a des similarités. La personne qui a écrit déclare que voilà ce qu'a dit le Messie promet l'Islam et comment puis-je dire moi qu'il n'y a pas de preuve que Hadrat Yahya a été tué. Mais le Messie promet l'Islam a aussi déclaré qu'on n'a pas de preuve certaine qu'un prophète a été tué. On n'a pas de preuve à ce sujet. Est-ce qu'il y a des contradictions là? Ainsi, vous êtes en train de prouver qu'il y a une contradiction entre les paroles du Messie promet l'Islam, mais vous ne pouvez pas prouver qu'il y a des contradictions entre mes propos et les propos du Messie promet l'Islam. Si l'on dit qu'on n'a pas prouvé qu'un prophète a été tué, et que l'on dit ensuite qu'un tel a été tué, et que cette personne est mon avant-coureur, si on met en juxtaposition ces deux points, il y aura une contradiction. Mais on va comprendre cela lorsqu'on va comprendre les tactiques utilisées par le Messie promet l'Islam pour son djihad. Vous allez comprendre cela à la lumière des débats qu'il a eus avec les autres, quand vous allez comprendre aussi le djihad accompli par les prophètes, lorsque vous allez comprendre comment le Saint-Coran s'est adressé aux autres, c'est là que vous n'allez pas voir de contradiction et vous allez voir un autre sujet. Le point principal présenté par le Messie promet l'Islam est que il y a certainement des similarités entre moi et Jésus-Christ. Sinon, il n'y aura pas de similarité entre moi et le Messie, Jésus-Christ. Et on ne pourra pas dire que je suis son reflet. C'est pour cette raison qu'il faut qu'il y ait certaines similarités dans des points essentiels. Mais concernant ces similarités, le Messie promet l'Islam a aussi déclaré que l'on ne doit pas pousser loin ces similarités et dire que je dois être crucifié tout comme Jésus-Christ a été crucifié, que je sois flagellé tout comme il a été flagellé. Ce n'est pas cela le sens des similarités. Il y a certains témoignages que l'on doit trouver et toute personne de bonne nature va accepter cela comme des similarités. Ce sont ces mêmes similarités qui concernent ces deux questions que j'ai posées, à propos desquelles je suis en train de faire des recherches. Il y a tout d'abord la question du prophète Zacharie et du pharaon à l'époque de Moïse. C'est-à-dire, quel était le pharaon de l'époque de Moïse? Car selon moi, il y a plusieurs périodes qu'on a évoquées. Et il y a cette période entre Hadrat Moussa et Hadrat Issa, le même nombre d'années qui est similaire au nombre d'années entre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Messie premier alayhi wa sallam. Si on accepte cela, eh bien, quel est le pharaon de l'époque? Il y a nombre de questions que j'ai soulevées. Certaines personnes pensent que je veux tout simplement présenter ces faits intellectuels. Ces personnes ne comprennent pas pourquoi je suis en train de rendre ce service, pourquoi est-ce que j'ai fait ces études minutieuses et que des fois je suis contraint de présenter un point de vue qui va à l'encontre du point de vue accepté par le Messie promis. Et le fait qu'un point de vue a été présenté au cours de 1300 ans ne veut pas dire que certainement ce point de vue est exact. Pour une longue période, le Messie promet l'Islam croyait que Jésus-Christ était vivant au ciel. Et il croyait que Jésus-Christ était monté physiquement au ciel. Et cela en dépit de sa grande perspicacité, en dépit des révélations qu'il avait reçues, il croyait en cela. Et Allah l'avait informé à plusieurs reprises que cette croyance était erronée. Dieu lui a indiqué les vraies déclarations coraniques. Lui qui lisait le Coran matin et soir, jamais il n'est tombé dessus. Mais lorsque Dieu lui a indiqué cela, il a vu cela. Et il a vu ces preuves indéniables. Ces faits colportés à l'époque rend oublieux des fois des muttaqis, des grands amis de Dieu.
Et c'est leur relation avec Dieu qui leur ouvre les yeux. Ainsi, au lieu d'être fier de sa connaissance, ne croyez pas que ce que vous voyez est exact. Il se peut que Dieu veut lever le voile sur certains sujets et qu'il veut nous faire voir une nouvelle période. Et qu'il désire que nous puissions faire ces recherches selon ses directives afin que nous puissions faire apparaître des faits qui concernent l'islam. Voilà le sujet vers lequel je veux attirer votre attention. Il y a la question de Hadrat Yahya et de Hadrat Sayyid Ahmed Saheb. Il y a les similarités entre ces deux personnes. Le Messie premier al-Islam nous présente cet argument et le point central est qu'il y a une similarité. S'il a été prouvé, tout comme on voit cette plausibilité, que Hadrat Yahya, Jean n'a pas été tué, si cela a été prouvé, et le Messie premier al-Islam a déjà déclaré qu'on n'a pas prouvé sans l'ombre d'un doute qu'un prophète a été tué auparavant, eh bien, dans ce cas, il y aura contradiction. Cet argument va tomber à l'eau, car d'une part, l'on va prouver que Hadrat Yahya n'a pas été tué, alors que d'autre part, l'on a compris ou l'on a prouvé que Hadrat Sayyid Ahmed Saheb a été tué. Voilà la contradiction en raison duquel j'ai fait des recherches et j'ai demandé aux autres de faire des recherches et on ne peut pas m'attribuer un point de vue. Sinon, pourquoi est-ce que j'aurais fait de telles recherches? J'ai donné des directives que ce sont des sujets importants, on doit faire des recherches à ce sujet. Je n'ai pas le moindre doute que, grâce à ces recherches, on va lever le voile sur des secrets et on va prouver une de ces deux choses. Soit que ces deux personnes ont été tuées, on ne peut pas rejeter cela. À savoir que Hadrat Yahya et Hadrat Sayyid Ahmed Saheb ont été tués. Ou soit qu'il y aura toujours des doutes concernant la situation de ces deux personnes. S'il y a des hypothèses dans les deux cas, eh bien on va voir des similarités dans ces hypothèses. Par exemple, à propos de Hadrat Sayyid Ahmed Saheb, on utilise le terme « raïboubiyat », c'est-à-dire qu'il avait disparu. J'ai demandé des gens à faire des recherches à propos de Hadrat Yahya, et on a présenté cette hypothèse qu'il est disparu. On rapporte à propos de Hadrat Sayyid Ahmed Saheb qu'il a été décapité et qu'on a découvert sa tête quelque part. Ainsi, ce n'était pas son corps qui avait prouvé qu'il était mort, mais c'était sa tête qu'on présentait comme la preuve de sa mort. Et dans l'histoire, on présente la même chose concernant Jean, c'est-à-dire qu'on n'avait pas trouvé son corps, mais c'était sa tête qu'on avait présentée sur un plateau qui avait prouvé qu'il était mort. Et dans les deux cas, ces deux histoires de tête sont sans tête ni queue. Car les autres témoignages que l'on a présentés vont à l'encontre de ce qui a été dit. Je ne peux pas accepter comme un fait historique qu'un général sikh ait amassé des têtes et des corps pour les lier ensemble. En ce qui concerne la disparition, eh bien, cette disparition n'est pas la disparition qu'on attribue à certaines personnes. Hadrat Ahmad Sayyid Saheb avait un disciple qui l'aimait beaucoup. Et lui, il avait accepté le fait qu'il avait disparu. Ce n'est pas la même disparition qu'on attribue au Mahdi ou à propos de ces autres personnes qu'on dit qu'elles sont invisibles, comme on dit à propos de Hadrat Ilyas, que lui aussi, il avait disparu et qu'il est monté au ciel. Ou la disparition de Hadrat Isa alayhi salam qui est monté au ciel. Ce n'est pas cela la raïboubiya. Son disciple disait qu'il n'était pas mort, mais qu'il était caché quelque part. Et pour une longue période, il avait cette certitude. Et il disait que, tout comme j'ai la certitude en ma mort, de même, j'ai la certitude que Sayyid Ahmad est toujours vivant. Il n'y a pas plus grande certitude que la mort. Mais c'était là ses paroles à lui. Petit à petit, il était désespéré car, quand il a dit qu'il avait disparu, cela ne voulait pas dire qu'il allait vivre pour tout le temps.
Quand il n'a pas pu le contacter pendant longtemps, en fin de compte, lui-même, il s'est détourné de sa croyance. Et son disciple a déclaré que moi aussi, je suis contraint d'accepter ce que les autres ont dit, à savoir qu'il a été tué. Car pendant toute cette période, je n'ai pas pu entrer en contact avec Hadrat Sayyid Ahmad Saheb. Et c'est pour cette raison que je suis contraint d'accepter ce que disent les autres. Et il y a une relation entre la disparition de cette personne et le désespoir de ses disciples. Cela a une relation avec le fait qu'il n'est pas en vie. Ce fut une prophétie, tout comme Jésus, le Messie, avait fait cette prophétie que je vais vous laisser et je vais partir vers les brebis perdues. Et Hadrat Yahya, quant à lui, il est parti ailleurs. Il avait deux épouses et quelque temps avant son martyr, il a dit à sa deuxième épouse que « je vais disparaître ». Un temps viendra lorsque je vais disparaître. Le témoignage de sa femme est présent. C'est pour cette raison que les gens ont cette croyance. Il y a certains Ahmadis qui veulent faire ces recherches. Quelqu'un m'a envoyé quelque chose à ce sujet. Il y a ces personnes qui ne sont pas fiers de la connaissance, mais qui aiment faire des recherches. Puisqu'ils n'ont pas d'amis, c'est pour cette raison qu'ils m'envoient leurs recherches. Je lis cela, j'en suis impressionné, et je leur félicite pour avoir accompli une grande œuvre. Il y a M. Maksoud Saheb qui travaille pour une compagnie qui m'a envoyé un article qu'il a écrit à propos de Hadrat Yahya. Et il m'a dit que j'ai peur des mollahs, c'est pour cette raison que je vous envoie cet article. Et il a présenté des points très intéressants. J'ai lu cela après le dars et je peux vous présenter certains de ces points. Il devait m'envoyer un livre, mais il ne l'a pas envoyé. Il a envoyé quelques points et il a dit que je vais vous envoyer le livre car j'ai déjà écrit ce livre. Lorsqu'il va envoyer ce livre, on va en profiter. Il y a une lettre venue de Damas, je pense. Le docteur Nasir Tahir de Rochester écrit que j'ai un livre dans lequel on trouve des détails concernant Hadrat Sayyid Ahmad. Il a évoqué quelques vers d'un poème composé par Maulana Yahya Ali Azimabadi. Il a répété ces vers en éloge de Hadrat Sayyid Ahmad. Dans ces vers, il demande à Hadrat Sayyid Ahmad quand il reviendra. Hadrat Mian Bashir Ahmad Saheb nous a présenté ces quelques vers et il a présenté la même chose. Ce sont des paroles de Mirdad qui s'appliquent ici aussi. Il y avait un certain Molvi Mohamed Jafar Saheb. Qui était un disciple de Hadrat Sayyid Saheb. Il était un très grand disciple de Hadrat Sayyid Ahmad et il a écrit à une autre personne dans laquelle il a dit qu'il était celui qui avait prêté allégeance à Sayyid Ahmad. Et il a aussi présenté les détails concernant sa rencontre avec Hadrat Sayyid Saheb. Et il a aussi déclaré que j'ai la certitude que
Mon maître est toujours vivant, tout comme j'ai la certitude quant à ma mort. Le fils de Maulvi Haider Ali Sahib a eu l'occasion de le rencontrer en l'an 1202. Après l'hégire, et il écrit que cette lettre date de février 1892. Et le rapporteur déclare que j'ai entendu 10 points de la bouche de Sayyed Saheb. Et 9 de ces points se sont réalisés. Et le dernier point concernait sa disparition. Il a déclaré que les 9 points évoqués auparavant ont été accomplis et que moi-même j'ai entendu ce dernier point, à savoir qu'en fin de compte, il va disparaître. Et le rapporteur déclare aussi que nombre de personnes ont accepté le fait que Hadrat Sayyid Saheb avait fait des prophéties à ce sujet. Mais il y a toujours des doutes concernant ces faits. C'est-à-dire, c'est sûr et certain qu'il avait fait des prophéties, mais on ne sait pas si ces prophéties se sont réalisées. Le Maulvi Mohammad Jafar Saheb, dans son ouvrage Sawani Ahmadi, a présenté cette lettre. Et il déclare qu'il y a nombre de ces récits et que nombre de personnes ont vu ou ont entendu à ce propos. Et certes, depuis le premier jour, il y a eu des dissensions concernant la disparition ou la mort de Hadrat Sayyed Saheb. Mais puisque maintenant nous sommes éloignés de cette période, et maintenant on doit rejeter ce fait, à savoir qu'il a disparu, les gens ont abandonné cette croyance qu'il a disparu ou qu'il est invisible. Hadrat Sayyid Saheb avait dit à sa deuxième épouse, avant la bataille de Balakot, qu'il allait disparaître. Et la plupart des proches de Sayyid Saheb acceptaient ce fait qu'il allait disparaître. Mais la plupart des gens du Punjab et de l'Inde croient qu'il est tombé en martyr. Ainsi donc, on est en train de présenter des hypothèses, il n'est pas question ici de certitude. S'il a été prouvé que Hadrat Yahya Jean n'a pas été tué, mais qu'il y a des doutes à ce sujet, et que l'on trouve des similarités entre cette situation hypothétique et la situation hypothétique de Hadrat Sayyid Saheb, eh bien cela ne va pas aller à l'encontre du point de vue du Messie premier l'Islam. Au contraire, cela va le soutenir. Et cela va soutenir le point premier du Messie premier l'Islam, à savoir que même si tous deux ont été tués, eh bien il y aura des similarités. Si tous deux n'ont pas été tués, eh bien, il y aura toujours des similarités. Voilà donc la preuve présentée par le Messie premier l'Islam. La similarité, c'est que ces deux personnes étaient des précurseurs. Les autres faits sont des faits secondaires. Ces personnes ne pensent pas que on n'est pas en train de contredire les écrits du Messie premier l'Islam. Si on va prendre cela au pied de la lettre, vous allez voir que le Messie premier l'Islam est en train de se contredire lui-même. Le Messie premier l'Islam est ce général victorieux qui a été placé par Dieu. Et il a utilisé des stratégies pour accomplir son djihad. C'est en ignorant ces faits que certains non-Ahmadis se sont égarés. Mais il y a même certains Ahmadis qui ne comprennent pas ces faits. Et c'est pour cette raison qu'on voit la Jamaat de Lahori. Le Messie premier l'Islam a présenté des explications différentes concernant la Nubuwa. C'était des points très subtils, des sens très subtils. Et il n'y a pas quand même des contradictions entre ces déclarations. Mais toute une Jamaat
présente certains écrits du Messie promis en disant que, voyez, il y a des contradictions entre Mirza Mahmoud et le Messie promis. Alors que les arguments présentés par le deuxième calife sont basés sur des faits subtils. Des faits subtils à propos duquel le Messie premier l'Islam a rejeté la Nabouwa. Le deuxième calife a présenté dans quel sens il a rejeté le fait qu'il était un prophète. Et c'est là que le deuxième calife a présenté son point de vue. Moi aussi, je suis en train d'adopter la même méthode afin de soutenir le Messie promis à l'Islam. Je suis en train de dire que, quand il a dit qu'il y a cette similarité à ce sujet, qu'il invite les Arabes à ce propos et qu'il est en train de présenter le fait que tous deux étaient des précurseurs, il a insisté sur ce point et non pas sur leur meurtre. À l'époque, tous les musulmans croyaient que tous deux étaient tués. Et des fois, afin de présenter sa déduction, on présente à celui qu'on s'adresse les croyances qu'il a. Certaines personnes, n'ayant pas compris cela, pensent que, voilà, on a commis là une contradiction. Le prophète Abraham a aussi déclaré que cette étoile qui est sortie est peut-être mon Dieu. Est-ce qu'on peut dire qu'il était temporairement un polythéiste? C'était là son argumentation. Il disait que, acceptons de fait qu'il soit notre Seigneur. Ainsi, afin de rejeter les croyances de l'autre, on présente ses croyances comme si on accepte ses faits, afin d'atteindre un objectif. Mais ici, le fait est tout autre. À l'époque du Messie premier à l'Islam, les faits qu'on connaissait à propos de Hadrat Yahya ou à propos de Sayyid Ahmad, dans la plupart des cas, on croyait que tous deux avaient été tués, tous deux sont tombés en martyr. À savoir que Jean-Baptiste est tombé en martyr et Hadrat Sayyid Ahmad est tombé en martyr. Et il a utilisé cela comme argument, mais cela ne veut point dire que selon le Messie premier l'Islam, certainement Jean-Baptiste a été tué, alors qu'ailleurs il dit avec certitude qu'on n'a pas de preuve qu'un prophète quelconque a été tué. Voilà ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire qu'on doit méditer sur ces points subtils. Il y a plusieurs hypothèses et le Messie premier l'Islam a lancé cette guerre et il a utilisé plusieurs arguments pour nous faire comprendre le sens de la Nabouwa, de la mort de Jésus-Christ, pour nous faire comprendre aussi sa véridicité. Et certaines personnes voient des contradictions en cela et présentent des ouvrages concernant les contradictions du Messie premier l'Islam. Ces contradictions ne vont pas vous abandonner, car c'est un signe d'une maladie très grave. La personne que Dieu a choisie comme calife après le Messie premier l'Islam, même si cette personne n'a pas grande connaissance, jamais cette personne ne pourra aller à l'encontre des objectifs du Messie premier l'Islam. Il ne pourra pas, afin de faire valoir sa connaissance, dire que, na'udhubillah, le Messie premier l'Islam a commis une erreur et moi je suis en train de dire la vérité. Ce sont des pensées maudites. C'est le résultat de manque de connaissances. C'est un reflet de la maladie que l'on a en son fort intérieur. Lorsque cette maladie s'aggrave, eh bien, on commence à rejeter les prophètes. Le Saint-Coran a évoqué ce sujet en disant que ces personnes qui font la distinction entre Allah et ses prophètes, et Dieu a émis des avertissements à l'encontre de telles personnes. Qui est celui qui va faire la différence entre Allah et ses prophètes? C'est celui qui va dire que ce prophète est en train de contredire les paroles de Dieu. Et dans le même contexte, Allah déclare qu'il y a aussi d'autres personnes qui font ces distinctions entre les prophètes. Ces personnes aussi sont des ignares et des injustes. Cet état des choses va durer jusqu'à la fin des temps. Les fiefiers mécréants agissent ainsi et les hypocrites aussi agissent ainsi. Et quant à ceux qui ne sont pas des hypocrites,
mais qui ont une connaissance superficielle et qui pensent être de grands érudits. Même ces personnes commettent de telles fautes. Ce n'est pas en raison de leur hypocrisie, mais en raison de leur égocentrisme. C'est pour cette raison que ces personnes s'égarent. Mais il y a aussi des muttaqis, des personnes qui craignent Dieu, des personnes qui sont humbles. Lorsqu'apparemment ces personnes voient une contradiction, ces personnes font l'istighfar et implorent l'aide de Dieu. Et Dieu lui-même leur fait comprendre ces sujets difficiles. Ou si ces personnes pensent que peut-être que l'autre a mal compris ce point, avec grande humilité, ces personnes attirent l'attention de celui qui est concerné en disant « Regardez aussi cet aspect. Si vous avez pris une décision quelconque, eh bien Dieu vous a confié cette tâche. Eh bien, agissez selon le plaisir de Dieu. Nous n'avons pas d'objection à ce sujet. Mais nous voulions tout simplement vous montrer cet aspect des choses. » La majorité des oulémas ahmadis ont cette grande connaissance. Voilà leur point de vue. C'est pour cette raison que je ne vois pas de fitna par la grâce de Dieu. La Jamaat ne doit pas croire qu'il y a des troubles, mais ce sont des actions pareilles qui ont créé des dissensions. Et leurs souvenirs sont affreux. À l'époque du deuxième calife, il y a eu de tels troubles. Il y a eu de tels troubles à l'époque du premier calife. Il y a une partie de la Jamaat qui était parmi les fauteurs de troubles, et Allah les a coupés. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas grande connaissance, qui sont parties eux aussi, et qui ont subi ces pertes. À l'époque du deuxième calife, je me souviens que, dans certains cas, le deuxième calife présentait un point, et certains types d'oulémas, on les voyait à l'époque. C'était des personnes qui partageaient les mêmes pensées et qui se réunissaient quelque part. Ils avaient des réunions à la maison en disant, voyez, ce qui a été dit dans le sermon aujourd'hui, ce sont des propos erronés. Le Messie promis disait ceci, le Muslim Maud est en train de dire cela. Que doit-on accepter? C'est ainsi que ces personnes amplifiaient toute l'affaire. Ceux qui ont grandi à Kadian savaient qu'il y avait de tels groupes. Et ces groupes ont dit qu'ils sont en train de défendre la vérité. Il y a ces groupes qui disent qu'ils sont en quête de la vérité. Il y a eu de tels groupes aussi à Rabwa. Et de nombreuses personnes ont subi des pertes. Cela s'est passé aussi à l'époque du troisième calife. Lorsque le troisième calife présentait un point quelconque, un point important, et qui apparemment contredisait les points de vue acceptés, au lieu de comprendre ces points et de comprendre aussi que la personne que Dieu a été choisie par Dieu ne va pas présenter ces points sans raison valable, et qu'il veut protéger les intérêts supérieurs. Au lieu de comprendre son but, ces personnes commentent sur ses propos et se réunissent pour commenter sur ses propos. Ils se mettent en contact les uns avec les autres. Ils partent dans cette maison, dans l'autre maison, et disent, voyez un peu ce qu'on a dit aujourd'hui, ce que le troisième calife a dit aujourd'hui. D'une part, ils disent le troisième calife, d'autre part, ils lui ont prêté allégeance, mais d'autre part, ils font des commentaires sur ses propos. Et cela mène jusqu'à l'hypocrisie. C'est le désir de Dieu. Il peut sauver la personne qu'il désire et il peut enlever la personne qu'il désire. Je me souviens qu'à l'époque, en de telles occasions, je rencontrais Hadrat Molvi Abdulata Saheb. Car Molvi Abdulata Saheb était parmi ces oulémas qui avait une grande perspicacité et qui avait aussi une grande connaissance académique. Il avait la certitude qu'un calife puisse présenter un point qui va à l'encontre du point du Messie promis ou contre les hadiths ou qui va à l'encontre des prophéties du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison que lorsque je le rencontrais, je lui disais que j'ai compris ceci des paroles du troisième calife. Il a vu venir ces troubles et c'est pour cette raison qu'il a présenté ce sujet et il n'est pas en train de rejeter la Mujaddadiyya. Et il a même déclaré que le calife aussi peut être un Mujaddid. Pourquoi rejetez-vous ce fait? Les points de vue de Molvi Abdulata Saheb étaient toujours en accord avec mes points de vue à moi. Généralement, je ne parlais pas à ce sujet aux autres,
Quand une personne me posait des questions à ce sujet, je l'expliquais cela. Mais si j'étais en contact avec quelqu'un, si je parlais à ce sujet à quelqu'un, c'était avec Maulvi Abdullatar Saheb. Je ne parlais pas avec les autres parce que là-bas aussi, il y avait de tels groupes. Il y avait une certaine virulence dans les propos de certains. Et dans certains cas, au lieu de résoudre l'affaire, on exacerbait toute l'affaire. Il y avait d'autres qui partaient aux antipodes. Et selon moi, ce sont des propos mortels. Cela peut causer de grandes pertes. Je ne suis pas en train de voir des signes qu'il y a de tels groupes qui sont en train de se former, mais moi, je vois ces germes et ces germes sont toujours présents. Si on ne repère pas ces germes au moment opportun, si on ne prend pas des mesures à ce sujet, il y aura toujours ces dangers. Ces personnes sont en danger. Celles qui, après avoir prêté allégeance, sont toujours victimes de leur égocentrisme. Ces personnes ne comprennent pas l'ordre qui a été donné de se prosterner devant Adam. Donc, on va commencer avec cela. Pourquoi est-ce qu'on devait se prosterner devant Adam? Le sujet est « Faïza nafartu fihi min dhuhi » Fakaro lahu sajidin. Puisque je lui ai accordé un statut, cela veut dire que pour la cause d'Allah, même si vous comprenez cela ou pas, acceptez cela. Faites prosterner votre égocentrisme devant lui. Voilà le sens de la prosternation. Cela ne veut pas dire se prosterner physiquement et poser son front physiquement sur terre. Cela veut dire sacrifier son égocentrisme pour la cause de Dieu en sachant que la personne qui a été choisie par Dieu sera douée d'intelligence par Dieu. C'est lui-même qui va le guider. Et pour la cause de Dieu, faites prosterner votre égocentrisme. Si vous le faites, c'est là que vous serez parmi ces personnes qui sont véritablement obéissantes. Je sais que certaines personnes prêtent allégeance, mais leurs têtes sont toujours hautes en raison de leur fierté, de leur érudition. Et si le calife a présenté un point qui soit en accord avec les points qu'ils ont appris, eh bien ces personnes vont écrire au calife pour le féliciter, tout comme on félicite un enfant. En disant que nous n'attendions pas cela de vous. C'est un point très intéressant. Voilà ce que je disais tout le temps, vont-ils dire. Voilà donc leur égocentrisme. Apparemment, ils se sont prosternés, mais leur tête est toujours haute. Et ces personnes ne tirent aucun plaisir des points ayant trait à la connaissance que le calife a pris de la part de Dieu. Au contraire, cela les énerve davantage. Et cherchent des moyens pour voir des propos qui contredisent les paroles du Messie promis l'Islam, en disant, voyez, il est en train de contredire le Messie promis. Ces personnes n'ont pas le courage d'affronter leur égocentrisme. Ces personnes n'ont pas le courage de dire que voilà mon point de vue, voilà le vôtre, et votre point de vue est erroné. C'est pour cette raison que ces personnes cherchent des occasions pour trouver des contradictions ouvertes entre les propos du Messie promis et les propos du calife. Quand ils en découvrent, ils se soutiennent les uns les autres. Ces personnes écrivent elles-mêmes, demandent aux autres d'écrire aussi. Voilà, vous avez commis une erreur. Voilà le but de leur vie. Ces personnes sont dénuées de l'âme même de la vie. Si Allah le désire, il peut les laisser vivre, tel est mon désir. Ou Allah peut enlever l'esprit, cet esprit qu'il a insufflé. Et ces personnes deviendront poussière, tout comme on a fait de la poussière Adam. Avant qu'on lui insuffle cet esprit, Adam n'était que poussière. Voilà donc ces maladies subtiles. Et on doit être vigilant à ce sujet. Toute personne qui établit cette relation que je viens de décrire avec le calife, ces personnes sont toujours victimes de leur ego de mollah et sont toujours à l'affût afin d'attraper une erreur du calife ou de présenter ce qu'ils pensent être une erreur. C'est là un signe de grande hypocrisie. Tout cela est caché sous les couvertures de l'hypocrisie, mais Allah enlève ces couvertures de temps en temps. Évitez cette maladie, c'est une maladie très dangereuse.
Cette maladie prend plusieurs formes. Et au début, cela commence avec le rejet des prophètes de Dieu. Satan a refusé de se prosterner devant Adam. Ce sont ces mêmes sentiments qui grandissent. Et tout le temps, on cherche ces contradictions. On trouve cela dans l'histoire du monde. J'ai dit cela à propos du Messie promis, l'Islam, à propos du saint prophète. Et tous les orientalistes disent la même chose, à savoir, on doit chercher des contradictions entre la parole de Dieu et la parole du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, les Kharijin ont poursuivi les califes en disant qu'il y a ces contradictions entre vous et le saint prophète. Et voilà le point de vue des califes précédents. Il y avait des dissensions concernant le nombre de prosternations dans l'enceinte de la Kaaba. Et pour cela, on a commencé à tirer les épées et on disait que les uns et les autres étaient des kafirs. Si on est toujours dans ce cercle et que l'on n'est pas coupable d'apostasie ouverte, on sera parmi les Khariji. Et en fin de compte, tout cela va s'éclater. Cette pustule va s'éclater et ceux qui sont autour vont se transformer en pus et seront comme ces immondices qui seront rejetés par Dieu. Je le dis encore une fois que je suis en train ici de montrer cette maladie. Je ne suis pas en train de pointer du doigt des personnes. Je ne suis pas en train de décourager ces personnes qui m'écrivent. Mais ceux qui m'écrivent peuvent connaître leur état intérieur. Si ces personnes font leur analyse de la manière dont je l'ai expliqué, le Saint-Coran déclare à ce sujet Balil insanu ala nafsihi basiratun walau alqa ma'azira. C'est un point très profond, à savoir que l'homme peut présenter des prétextes, l'homme peut embellir ses paroles et ses propos. S'il veut réfléchir, il sera lui-même témoin de son âme. Dieu a accordé à l'homme cette aptitude que de méditer sur son âme, que de méditer sur chacune de ses intentions. Il est à même de jauger les tréfonds de son âme et de savoir où a débuté ce voyage. Je m'adresse à de telles personnes, je leur dis de faire l'istighfar et de faire leur analyse de conscience. Si ces personnes n'ont pas pu faire leur introspection, eh bien sachez que Dieu va faire cette analyse et Dieu va les rejeter. Et aucune force ne pourra les arrêter. Mais si votre question est basée sur la taqwa, si vous posez ces questions en bonne intention, et que vous comprenez le statut de celui à qui vous avez prêté allégeance, eh bien, de telles questions sont des bénédictions. Il n'y a pas de danger dans de telles questions. Méditez à ce propos. Dieu a pris un ignorant et l'a fait calife. Est-ce qu'il va l'abandonner ou est-ce qu'il va le soutenir? Si il est en train de soutenir ce calife, cela ne veut pas dire que ce calife puisse présenter des faits contraires à son maître et que Dieu continue à le soutenir. Cela voudrait dire que Dieu a abandonné le Messie promis et a commencé à soutenir ce calife qui, na'udhubillah min dhalik, était un ignorant et qui, en dépit de son danger, est en train de porter atteinte aux enseignements de la communauté et que Dieu continue à le soutenir comme si Dieu ne se soucie pas de ses actions. Le Messie premier al-Islam a présenté cet argument. Présentez quelqu'un qui est soutenu comme moi j'ai été soutenu. Je vais vous présenter une prophétie faite par le deuxième calife. C'est une prophétie très à propos. C'est M. Abdussamir Khan de Rabwa qui, sous l'influence de cette étude internationale du Coran, a envoyé une prophétie qui vient soutenir ce point de vue que je viens de présenter.
C'est-à-dire que si vous avez prêté allégeance à un calife, eh bien vous avez bien fait. C'est Dieu qui a choisi ce calife. Qu'il soit faible, qu'il soit un incapable, certainement Dieu a un sens de l'honneur pour son choix. Il va protéger son choix. Et certainement, il va réduire à néant ses opposants. Toutes ces prises de position qui est basée sur l'opposition est comme cet arbre qui n'a pas de soutien. Cet arbre sera déraciné et cet arbre ne sera pas soutenu. Voilà un avertissement que je suis en train de présenter. Certainement, je reçois des différences d'opinion sincères. Et ce n'est pas là une réaction à cela. Et je ne suis pas en train d'annoncer cela contre une personne particulière, que cette personne est hypocrite. Cette personne connaît son état mieux que moi. J'ai présenté le principe, c'est-à-dire comment reconnaître cela. Ensuite, cela sera entre Dieu et lui. Moi, je vais m'écarter de cela. Écoutez cela. Le 7 janvier 1938, pour la première fois, on a utilisé des haut-parleurs de la mosquée Aqsa à Qadian. Le 7 janvier 1938, on a utilisé les haut-parleurs et c'était un très grand événement. Et le deuxième calife a prononcé son sermon. Moi, j'avais 10 ans à l'époque. J'étais né en 1928. J'étais né vers la fin de 1938. Dans son sermon, le deuxième calife a déclaré que ce jour est très proche. Lorsqu'une personne va s'asseoir quelque part et pourra tenir une classe pour s'adresser au monde entier. Moi qui étais un enfant ignorant à l'époque, j'étais présent là-bas. Je ne pouvais pas imaginer cela, que je serais ce garçon qui un jour va être la réalisation de cette prophétie. Le deuxième calife déclare que la situation ne nous permet pas aujourd'hui. Nous n'avons pas les moyens maintenant. Il y a aussi ce manque de savoir qui nous entrave la voie. Mais si toutes ces difficultés disparaissent et de la manière dont Allah veut nous faire progresser, la vitesse qu'il est en train de nous faire progresser, on doit comprendre grâce à cela que la grâce de Dieu est proche et un temps viendra où toutes ces difficultés vont disparaître. Et il sera possible que de Qadian, on commence à faire des cours sur le Coran et les Hadiths et que les gens de Java, de l'Amérique, de l'Angleterre, de la France et de l'Allemagne et de l'Australie, de la Hongrie et des gens qui habitent dans les pays arabes, de l'Iran et de l'Égypte et dans tout le monde entier puissent chez eux écouter cela grâce à des appareils sans fil. Voilà comment Dieu est en train de montrer ces signes. Pourquoi donc avoir des doutes? Pourquoi détruire sa vie dans l'au-delà? Si vous êtes sincère dans votre serment d'allégeance et Dieu vous fait comprendre que vous avez pris une bonne décision concernant votre serment d'allégeance, eh bien vous devez montrer ce respect. Pas de respect envers moi qui suis faible, mais respecter cet esprit qui a été insufflé. Car quand Dieu choisit quelqu'un comme calife, il lui accorde cet esprit. Ce n'est pas un nouveau esprit qu'il lui insuffle, mais il reçoit ces mêmes bénédictions de cet esprit qui a été insufflé auparavant. Donc, n'oubliez pas ce point. Moi, je me connais moi-même mieux que tout autre. Je suis un homme extrêmement incapable. Je n'ai pas grande connaissance. Dans la plupart des cas, je commets beaucoup d'erreurs. Et j'ai commis plus d'erreurs concernant les connaissances de ce monde que tous les califes réunis. Mais Allah est en train d'endurer tout cela. Allah sait que ces erreurs sont en raison des faiblesses humaines, en résultat du mauvais écolage. Allah était en train de m'éduquer d'une autre façon. Ceux qui apprenaient à l'école se transformaient en mollah, partaient dans une autre direction. Ces personnes ont eu cette connaissance que je n'ai pas reçue. Mais si j'avais reçu cela, je n'aurais pas reçu ce que j'ai reçu maintenant. Ainsi, pour les buts pour lesquels Dieu me préparait, il était important qu'il y ait de telles erreurs. Ne tirez pas de fausses conclusions. Mais certainement, Dieu est en train de me soutenir et Dieu va toujours soutenir tous les califes tant que l'on n'a pas atteint l'objectif du Messie promis à l'Islam.
Toute personne qui va se détourner de cela, eh bien, cette personne va couper sa relation avec Dieu. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Qu'Allah fasse que nous soyons toujours fidèles envers lui. Et il y a un autre point subtil présenté par M. Abdus Samir Khan. Il a déclaré que, voyez la gloire de Dieu, le 7 janvier 1938, le Muslim Maud a fait cette prophétie. Et de l'île Maurice, le 7 janvier, j'ai fait une annonce concernant le début de ce programme international. J'avais fait cette annonce auparavant, mais j'avais dit à propos du 7 janvier. C'est-à-dire qu'à partir du 7 janvier, va débuter ce programme international qui va lier le monde entier. Ce même jour, cette prophétie s'est réalisée. Voyez la gloire de Dieu. J'étais là-bas comme un garçon incapable. J'étais assis là-bas. Je ne savais même pas ce que je portais sur moi. Dans la plupart des cas, je devais porter mon pantalon par la main. Et je n'étais même pas conscient de ce que je faisais. Et les gens se moquaient de moi en disant, voyez cet incapable et ses vêtements. Mais c'est là la gloire de Dieu. Il peut choisir la personne de son choix. Et ensuite, Dieu soutient cette personne. Et on n'a plus besoin d'arguments. Cette personne brille dans le ciel. Mais souvenez-vous que c'est le soutien de notre maître, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu nous a accordé ses bénédictions du ciel pour nous soutenir, pour soutenir le saint prophète. Je ne veux pas être le centre du monde, je veux tout simplement en train de dissiper les doutes de certaines personnes en leur faisant comprendre que c'est un plan lancé par Dieu pour le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Cela est apparu et cela devait apparaître à l'époque du Messie promis l'Islam. Je suis moi-même un moyen insignifiant pour atteindre ce but. Cette chance n'est pas une chance ordinaire. Qu'à la fois que nous puissions comprendre cela, que nous puissions avoir cela en tête pour notre progrès spirituel et le progrès de